Vous avez une 4 fromages, madame? Oui, non, 3 fromages. Ouais, vous leur laissez un peu d'avance, c'est sport de votre part. On fait en poursuite. C'est bien. Bon, on n'est plus à 13 à l'heure, mais on court en montant quand même. Hein. Donc ça rigole pas du tout. Eric, tout va bien? Si, ça rigole. On vient de prendre une espèce de pastèque magique en plein milieu de l'Ariège. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais les Ariégeois, ils ont des potions magiques. Là, c'est raide. C'est pas un problème, en fait, c'est ça. C'est facile. Il faut penser facile et ça devient facile. C'est comme ça qu'on y arrive. Si on positise pas, on reste à la maison. Tout est bien, parce que quand c'est plat, on avance plus vite vers le but. Et quand il y a du dénivelé, eh ben on avance plus vite, plus c'est pentu, plus on avance vite vers le but, à l'instant présent, qui est le col à passer. Mais c'est tellement facile. Oh là là. Voilà. C'est trop facile. Il n'y a rien de difficile dans la vie, il suffit juste de penser que c'est facile. J'adore. Merci Eric. Interview collector. Il y a un gros pas de marcheur, quoi, tu vois. Et puis dès que c'est plat, hop, ça trottine. C'est marrant, hein, ça avance. C'est bien. Ouais. Et vous, quand vous êtes parti, là, vous aviez bonne allure, vous étiez bien. Hein. Mais tout le temps, mais depuis, on n'a pas arrêté. Hein. En fait, la portion était un peu longue, quoi. Mais on a pas... il n'y a pas eu de baisse de régime. Hein. Très bien, parfait. Oui, bah, très bien. On a fait une pause sympa, là. Je sais pas, il y avait une espèce de gîte étape. Oui. On est tombé sur des gens, des Ariégeois, quoi. C'est un peu... Ouais, des Ariégeois, ouais. Et ils ont sorti la pastèque, ils nous ont offert la... Ah, c'est comme ça. Je crois que c'était leur repas de midi, c'est nous qui l'avons mangé, quoi. Ça, c'est les bonnes. Celles-là, elles font encore 300 morts, oui. Allez, on est parti, hein. Désolé. A tout à l'heure, à plus tard. Allez, à tout. Moi je pisse, un peu sur moi. Manger un petit bout? Non, c'est bon. C'est la première fois depuis le début, depuis 4 jours. Des nuages, ça fait du bien, ça rafraîchit. Quelques gouttes de pluie, ça fait du bien aussi. Des orages, c'est un peu flippant, mais je suis pas tout seul, donc je me dis que ça va tomber sur les autres et pas sur moi. Et c'est que du positif, quoi. Non, maintenant on descend, là, et pour la journée, c'est bien, il est encore assez tôt. Et il reste plus que 2 ascensions, donc à peu près en face. Là, on va monter, redescendre et remonter derrière. Enfin, ouais, on fait que ça, en fait. Va bene? Va bene! Ah, muy bien! Pars! C'est mieux comme ça. Comment t'as trouvé ton poulain? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ouais. Ouais. Il va vite. Hein. Il va vite. Une forme, il descend. Il grimpe très fort. Après, il relance bien sur le plat. Les descentes, il est prudent, mais voilà, ça avance, quoi. Donc, pour l'instant, tout est parfait. On ne dirait pas que ses pieds ont fait autant de kilomètres en aussi peu de jours. Hein. Pour l'instant, non. Par contre, là, ça se voit qu'ils ont pris l'humidité. Ah, j'ai rarement eu autant de pente. Eric a presque 400 bornes. Ton niveau de vigilance pour le suivi de l'itinéraire, pour éviter les pièges du terrain, tu le situes comment? Nickel. Optimum? Très bon niveau de vigilance. Je reste encore relativement bien, assez lucide. C'est top. Surprenant. Elle tabasse bien. C'est ça qui va. C'est cool que t'es venu chercher. Ouais.
Bon, bah pendant ce temps-là, Eric, Pascal et sa compagne sont dans la pampa. Ils doivent ramasser grave. T'es arrivé comme une fusée, Eric. Ouais, j'étais pressé, je suis pressé de me coucher là. C'est clair. J'aimerais partir tôt demain matin. Cette section, elle a duré plus longtemps que prévu. Ouais, j'ai été pris dans l'orage, du coup je me suis réfugié un petit peu dans, pendant la période de crise dans une petite cabane. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais une minute, une demi-heure. Puis j'ai continué. T'as pas souffert du froid du tout quand on t'a pris la grosse averse orageuse? Non, moi j'ai eu de la chance en fait, ça a commencé juste après que j'ai basculé le col. Et c'était des grêlons, donc ça mouille moins. Et ça a duré pour moi 3 minutes le temps que j'arrive à la cabane. Je crois que là j'ai jamais fait du VR10 une descente aussi rapide. C'est en pleine forme, ouais. Ouais, ça va. Ah bah oui, en pleine forme. Moi je suis vraiment stupéfait, quoi. T'approches de la bascule là. Il y a la bascule là. 20 km. Ouais.